Bon, Romain Peturel, quand vous êtes sorti du vestiaire pour l'interview, vous avez dit maintenant on va pouvoir dire la vérité. Alors c'est quoi la vérité? Ils disent des bêtises. Ouais, alors ils disent quoi comme bêtises et qu'est-ce que dit le coach? J'ai pas entendu ce qu'ils ont dit, mais il dit qu'il est content de l'état d'esprit et de ce qu'on a montré en termes d'efforts, en termes d'agressivité. Un peu la réaction parce qu'il a fallu être mené pour. Parce qu'il y avait beaucoup d'envie en face et ça vous a gêné quand même. Ouais, alors je trouve qu'on est mené sur un but extraordinaire, mais on ne concède pas trop d'occasions en première mi-temps. Je trouve qu'on s'en crée beaucoup et qu'on n'arrive pas à être assez efficace. On était bien dans le projet de jeu, dans le plan de jeu. Je trouve qu'on gagnait les ballons assez haut, on a eu beaucoup d'occasions en première, on est mené. Et puis en deuxième, on a été un petit peu plus efficace. Eux ont baissé un petit peu de pied, je pense aussi physiquement. Ouais. Et ça nous a permis de gagner le match à la fin. Bon, on sait que la montée, c'est compliqué en championnat. C'est pas cuit, mais ça va être compliqué. La coupe, ça devient un objectif dans ces conditions? Ça a toujours été un objectif. La montée, bien sûr que c'est compliqué. Il y a le maintien qui peut être aussi ouais, très intéressant à jouer. Voilà, il faut qu'on reprenne des points en championnat. Bien sûr que la coupe est un objectif. Maintenant, on est en 8e. En plus, on sait qu'avec le tirage au sort, quand vous gagnez à l'extérieur, vous avez des chances de recevoir le match d'après. Donc, on pourrait jouer un match sympa à Fétang. Mais bien sûr que c'est un objectif. On a fait quart de finale l'année dernière. On a pour objectif de faire mieux cette année. Donc, c'est simple, demi. Voilà, au moins demi. Allez, merci à vous. De rien.